Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. La France est exsangue, ruinée par la guerre. Le roi, Jean II le Bon, est prisonnier des Anglais. Une rançon exorbitante doit être versée par le royaume de France. À cette époque, au début des années 1360, le duché de Bourgogne appartient en apanage à Philippe Ier de Rouvres. Mais ce dernier va mourir sans descendance l'année suivante et le duché reviendra donc à la couronne de France. C'est en 1364 que le roi, Jean II le Bon, va donner en apanage la Bourgogne à son quatrième fils Philippe, dit le Hardi, et ceci juste avant de mourir en captivité à Londres. Il sera remplacé par Charles V. À partir de ce moment-là, va se mettre en place l'ambitieuse dynastie des ducs de Bourgogne, grâce à une stratégie maritale et des alliances d'opportunités.